Plan Lobaz. Bonjour, moi c'est Axel, j'ai 30 ans et je suis coach, athlète et entrepreneur et autiste aussi. Donc aujourd'hui, je vous présente Impulsion, l'équipe Impulsion. Donc Impulsion, c'est quoi? C'est Impulsion Academy. On a l'Impulsion Academy, notre coaching team, on a Impulsion Events et on a aussi le côté la Motion Student Academy. Donc aujourd'hui avec moi, il y a Annie et Karen. À Impulsion Academy, nous sommes centrés sur tout ce qui appelle coaching d'acrobatie. Donc, ce soit gymnastique, parcours, acrobatie, donc tout ce qui est autour de l'acrobatie. Et aussi, nous avons le côté dans l'événementiel, dans Impulsion Events, nous faisons tout ce qui est le jonglage, le fire spinning, l'acrobatie. Et voilà, autour du feu, donc nous spécialisons autour du feu, les lumières, qui c'est nouveau à Maurice, les LED. Fire, LED, acrobatie et un peu de danse. Donc majoritairement, au début, nous venons pour la passion de vraiment l'acrobatie, join, et après, teaching, dans le coaching. Donc là, nous commençons coach ensemble et spin ensemble à ce moment-là, ouais. C'est la passion, c'est un truc qui nous mixe aujourd'hui. À la base, moi, mon associé est un athlète de parcours, d'acrobatie. Et là, on est recruté pour une équipe de fire. C'est là qu'on commence l'apprentissage du feu. Donc, tout ce qui est fire staff, bâton staff. Et de là, nous avons créé cette expertise dans fire et l'acrobatie. Et là, au fur et à mesure que nous apprenons, nous montons notre propre équipe. Moi, je vous dis que la qualité que nous avons pour faire la croatie, c'est vraiment aussi. Premier affaire qui vient dans ma tête là, c'est tomber font botte. C'est-à-dire, fail is part of success. Ça, c'est premier affaire que je vous dis que pour apprendre, il faut prendre le temps, il faut take time, il faut prendre la patience, il faut prendre l'énergie. Mais la qualité que je vous dis, c'est vraiment être déterminé et patience, détermination et quoi en soi. Parce que c'est aussi un travail mental. Un travail mental, c'est beaucoup vraiment de quoi qu'il soit capable de faire lié et continuer en zone. Alors, comme on fait commence, j'ai parcours, c'est tout parcours, l'acrobatie qui était la base, comme on commençait. Ma difficulté, c'est surtout l'espace adéquat. Côte ça pour train, en fait. Donc, du coup, la plage, qui dit la plage, qui dit l'herbe. L'armée, c'était l'endroit où nous pouvons aller pour traîner, en fait. Ça, c'était une difficulté que nous avons. Vraiment, gagner l'espace que nous sommes capables de traîner fully, safely. Oui, définitivement, la gymnastique, vous connaissez toute gymnastique, pas au coup aussi, et la gymnastique peut prendre un lampe. Dans le sens que nous commençons avec, vraiment, let's say, nous avons un chiffre around de 100, 150, 200 personnes, nous avons là-haut 700 athlètes. Même plus, et dans différents clubs, donc différents clubs in pop-up, différents gymnases in pop-up. Donc l'emploi devient encore plus. Et moi, parce aussi, pour parcours aussi, l'ambition de vraiment parcours, je veux dire qu'avant, je n'ai pas trop être connu, je veux dire que je connais qu'il y a parcours, mes enfants ont envie de faire parcours. Donc moi, c'est une scène dans l'affaire qui est vraiment. Quand il s'agit d'acrobatie, mon cause d'acrobatie, le parcours, les dangers, c'est de ne pas connaître ses limites. Dans le sens que c'est bon, nous ne fait qu'apprendre, nous devons commencer à apprendre. Et nous devons connaître que nous devons commencer vraiment, pas seulement un step, mais lancer vraiment c'est stepwise. Et que moi, tu vous dis aussi que c'est bien d'être accompagné aussi. C'est bien d'apprendre seul, mais il y a même place que si nous devons bien connaître, c'est bien d'être accompagné. Donc j'aurais dit, moi, ce que je vous dis, c'est les dangers, c'est vraiment. De go stepwise, apprendre step by step
et code bizarre, help around, go get help around. Pour commencer à passer par un obstacle, sauter, même en apprenant l'acrobatie, la gymnastique, tu as besoin sûrement d'une frayeur de faire le move que tu as besoin de faire là. Donc, c'est sûrement des obstacles physiques. Du côté du jonglage, allowing myself, donc permettre-toi de maîtriser un objet qui te peut capter le travail. Il y a une marée, moi, je sens qu'il y a une marée stress relief. C'est une stress relief activity. Te connecter toi-même avec ton body, ton mind connected. Définitivement. Que ce soit en côté de parcours, gymnastique, nous dans l'école aujourd'hui à Floréal, qu'on invite les personnes à venir apprendre, enfants comme adultes, et aussi de jonglage, que nous mettons justement un workshop, nous commençons un workshop et bientôt, aussi bon, lance un cours, bientôt. Donc, yes, nous prenons un workshop qui va venir aussi pour le jonglage. Alors, si on visite l'académie, découvre un petit peu plus, si tu peux, check nous par Instagram, Facebook, Impulsion Academy. Message pour faire passer, moi tu veux dire, c'est quoi l'on soit en fait? Parce que moi beaucoup de l'aspect, c'est qu'ils ont dit, discipline qui nous fait, ils amènent nous, c'est quoi l'on nous-mêmes en fait? Quoi l'on nous-mêmes, quoi qui nous capable de faire? Et continuons à aller parce que nous avons beaucoup d'obstacles qui viennent devant nous. Mais souvent, un obstacle est disguise comme une opportunité. Donc, servir ça comme une opportunité pour aller encore plus devant, servir l'obstacle pour sauter un peu plus loin. Donc, tout le temps, mais nous allons beaucoup plus loin. Donc, moi, je vous dis quoi dans soi-même. Et aussi, si jamais j'ai envie de découvrir un peu justement les bienfaits du sport qui nous proposait, les disciplines spécifiques qui nous proposaient. Et en termes de jonglage aussi. Most welcome, feel free to come join us anytime. Nous pour happy to welcome you.